Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Nous sommes de retour pour la troisième partie de ce témoignage hors du commun. Vraiment, ce que nous entendons ici, c'est incroyable, mais vrai. Sérieux, est-ce réellement vrai? Écoutez, une fille va nous raconter comment elle était face à face à un démon. Waouh, quelle a été sa réaction? C'est parti, écoutons. Des mois se sont passés, je peux être 7 mois ou 8 mois plus tard quand même. Je suis en plein sommeil dans la même chambre. Je me réveille. Le même homme que je voyais il y a quelques temps, là au moins j'ai son visage en face de moi. Mais je vous jure que l'être que j'ai vu devant moi ce jour-là, oh là là, je ne vous dis pas. Waouh. Je ne sais pas si, comment qualifier ce que j'ai vu face à moi. Imaginez-vous en plein sommeil et dès que vous ouvrez les yeux, vous voyez un être mais vraiment maléfique qui vous regarde les yeux dans les yeux avec des cornes, des ongles bien pointus et qui vous caresse le nez. Donc vous imaginez la peur que j'ai eue ce jour-là, la manière dont j'ai crié dans cette chambre-là. Le papa de mes enfants à côté, obligé de se lever en sursaut. Et suite à cela, je vous jure que entre lui et moi, ça n'allait plus. Vraiment, la relation n'allait plus bon train. Ça n'allait plus. Jusqu'à ce que, après 15 ans de vie commune, on s'est séparés. Donc, ma question ici est de savoir, c'était quoi tous ces signes, c'était quoi tous ces êtres, c'était quoi ce qui m'arrivait en fait à cette période. Parce que moi, je suis restée, je suis pas quelqu'un de mystique, je suis pas quelqu'un de vraiment spirituel en fait. Donc, je consulte pas les voyants, je consulte pas les, je sais pas, les pasteurs et autres. Donc, ma question est de savoir ce qui s'est réellement passé, c'est quoi réellement? Ah! Dis-moi ce que vous en pensez. Vous vous réveillez et vous voyez un démon, juste comme ça, face à vous, face à face. Waouh! D'où me venaient ces êtres? C'était quoi? Ai-je des pouvoirs que moi même j'ignore? T'en vois un peu. C'est un peu ça mon histoire. Bien, nous allons écouter encore le témoignage d'une histoire d'une autre femme. Aujourd'hui, j'ai une histoire à vous raconter. Et cette histoire, elle s'est passée il y a quelques années de cela. Cette histoire, c'est mon histoire. Si vous voulez, je traversais il y a plusieurs années de cela un moment très, 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 très difficile. Et je rencontre par un concours de circonstances un jeune homme. Ce jeune homme-là, il m'aborde sous des airs de quelqu'un qui a un problème, qui veut que je l'aide et tout. Et donc, je ne le connais pas parce qu'il prend mon téléphone, mon numéro de téléphone avec quelqu'un. Il m'appelle. Et voilà, il me pose un problème. Je n'étais même pas en Côte d'Ivoire, donc je lui fais un orange monnaie. Il me dit qu'il a sa sœur qui est gravement malade, qui vient d'accoucher et tout, mais il n'a pas les moyens de payer les médicaments. Je ne le connais même pas. Donc, il prend mon téléphone avec quelqu'un et il m'appelle parce que je suis un peu aussi, enfin, j'étais déjà également un peu dans le monde de la politique. Et donc, je me dis, bon, c'est certainement par rapport à ça que, bon, qu'il a pu avoir mon numéro de téléphone. Et donc, ce qui se passe, c'est que je lui fais un transfert, alors que je ne le connais, comme je dis, ni d'Adam ni d'Ève. Et puis bon, c'est fini. Quelques temps après, il me rappelle pour me dire merci et tout, mais qu'en dépit de mon geste et tout, malheureusement, sa sœur n'a pas survécu. Elle est décédée, donc je lui dis, ben, il y a quoi et tout, comme on le dit chez nous et tout. Et puis après, il continue de temps en temps de m'envoyer des messages. Et puis, il commence à m'appeler pour me dire que vraiment, pour tout ce que j'ai fait de façon spontanée,
Sa famille souhaite me dire merci. Je lui dis, mais je ne vois pas ce que j'ai fait d'extraordinaire pour que ta famille veuille me dire merci. Excusez-moi. Et ce jeune homme, il insiste. Il me dit, vous savez, madame, vraiment la spontanéité avec laquelle vous avez réagi et tout. Donc, on a notre patriarche qui souhaite vraiment te dire merci. Et ce patriarche-là, il est tellement vieux qu'il ne peut pas se déplacer, mais il vit à quelques kilomètres en dehors de la ville où nous nous trouvons. Donc, après insistance, bon, je demande à mon frère, je dis, mais ce monsieur-là, je ne sais pas pourquoi il insiste. Et mon frère qui me dit, tu sais, souvent, ce qui se passe, c'est que, y a des vieux qui ont des dons et tout, qui ont des pouvoirs et tout ça. Et ces personnes-là, parfois, ben, ils peuvent vouloir te faire du bien en retour par rapport à ce que tu as fait. Donc, ça ne te coûte rien, on va y aller. Donc, mon frère m'encourage. Et donc, un jour, on prend la voiture et puis on se rend là-bas avec le jeune homme. Et c'est là que je le vois pour la première fois. Dans DM, j'imagine un jeune homme que je n'ai jamais vu, avec qui je communiquais qu'au téléphone. Je décide de le suivre pour aller quelque part, pour aller voir son grand-père, qui est le patriarche de la famille, parce que selon lui, il avait parlé de moi à son grand-père par rapport au geste que j'avais fait. Mais je ne vous cache pas que c'était un geste pour moi qui était assez minime. Donc je ne comprenais pas pourquoi il insistait tant. Mais bon, je suis parti. Donc je tombe sur un vieux monsieur, effectivement, qui a plus de 100 ans, et excusez-moi, et qui me dit vraiment merci ma fille et tout. Mon petit-fils m'a raconté un peu. Ce que vous avez fait pour la famille, et je voulais vraiment en retour vous remercier. Qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai dit, ben, je sais pas, bon, moi je l'ai fait sans arrière-pensée et tout. Et le vieux me dit, bon, ce qu'on va faire, je vais te recommander à un autre de mes fils qui va te faire du bien en retour par rapport à ce que tu as eu à faire pour notre famille. Je dis, ok. Voilà comment, après, le jeune homme avec qui on était parti, il me met en contact avec un autre de ses frères, qui soi-disant. Et ce frère-là, il me donne rendez-vous. Donc, il vient me trouver dans la ville où je suis. Et puis, il me dit que, il souhaite qu'on aille dans un endroit. Et cet endroit-là, c'est en bordure de mer. Il me dit qu'il veut qu'on aille en bordure de mer parce que il souhaite faire quelque chose de bien pour moi et tout, en retour, sur les consignes de son grand-père. Je dis OK. Donc, on part là-bas, DMG. On se retrouve dans une contrée non loin de là où je suis, et on se retrouve vraiment en bordure de mer. Et quand on arrive à l'entrée de la ville, il me dit que ce que son grand-père lui a demandé est de faire pour moi le dépasse. Donc, lui, il ne sera qu'un intermédiaire. Il me demande donc d'acheter un téléphone, un petit téléphone qui coûte 6-7 000 francs, pas besoin de plus, d'acheter une nouvelle carte SIM moi-même, de la mettre dans le téléphone, et on ira en bordure de mer. Et bien, je prends de prendre le soin de noter le numéro de téléphone en question, de mettre la carte SIM dans le téléphone, et on ira en bordure de mer où je vais jeter le téléphone dans la mer. Je lui ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? En ce moment, bon, ma foi n'était pas comme ça. Elle est vacillée un peu à gauche, un peu à droite. Et donc, on part. Et quand il me dit ça, comme je suis très méfiante, donc nous arrivons quelque part, je choisis l'endroit où moi-même je décide de me garer. Et j'achète un téléphone moi-même. Et il y avait plusieurs vendeurs, hein, et je demande une carte SIM. Donc, quand le monsieur me donne la carte SIM, je relève le numéro. DMG, moi-même, je prends la carte SIM. Je la mets dans le téléphone moi-même. Le téléphone reste entre mes mains. Donc, il ne passe pas entre d'autres mains. Le téléphone reste dans ma main. Et puis ensuite, on continue de conduire. On arrive en bordure de mer. Je suis toujours avec mon frère. Quand on est en bordure de mer, le monsieur me demande de marcher pour aller un peu loin, là où il n'y a pas de monde, où il n'y a personne. De toute façon, ce jour-là même, la plage était déserte. Et il me demande de lancer le téléphone dans la mer. Donc, ce que je fais, donc je marche arrivé quelque part, DMG, quand je lance le téléphone dans la mer, j'ai le sentiment, quand je vois la vague qui se lève,
C'est-à-dire que le téléphone n'a pas eu le temps de tomber dans l'eau. Il y a eu une vague qui s'est élevée et qui a recouvert le téléphone. Comme si il y avait quelqu'un qui était sorti de l'eau pour récupérer le téléphone. J'ai eu la chair de poule. Après ça, je retourne. Et puis je dis au monsieur que j'ai jeté le téléphone dans l'eau, dans la mer. Il me dit, ok, maintenant je vais t'expliquer ce qui va se passer. Tu as bien, moi-même je n'ai pas le numéro, tu ne me l'as pas donné. Tu as bien enregistré le numéro. Je lui dis, oui, j'ai bien enregistré le numéro dans mon téléphone. Il me dit, ok, tu le gardes très bien. Et ce numéro-là, tu ne le donnes à personne. Je lui dis, ok. Il me dit, dès ce soir, quelqu'un va prendre contact avec toi. Je lui dis, ok. Donc, DMG, après c'est fini là, je pars. Bon, la vie continue. Il est exactement 23 heures lorsque mon téléphone sonne, DMG. Parce que j'ai enregistré en fait le numéro sous un nom. Mon téléphone sonne, DMG, et je vois le numéro. Je vois le nom que j'ai mis s'afficher. Le nom qui correspond au numéro de téléphone que j'ai mis dans le petit téléphone de 7000 que j'ai acheté et que j'avais jeté dans la mer en journée. DMG, mon téléphone sonne. Je vois, quand je décroche, DMG, la voix que j'entends, c'est comme une voix d'outre-mer. Une voix effrayante. Et la personne me dit, me salue, et me dit que c'était pour nouer le premier contact, qu'ils ont bien réceptionné le téléphone que j'ai envoyé, et que c'était pour nouer le premier contact. DMG, je ne peux pas vous expliquer la voix que j'avais entendue, comment elle était effrayante. Donc, tremblante, je dis ok. Et le monsieur me rassure, toujours dans cette même voix pour me dire de ne pas m'inquiéter, que je vais finir par m'habituer à cette voix-là et que lui, eux, il a dit eux, ils vivent sous la mer et que il y a quelqu'un qui leur a dit que je leur avais fait du bien et qu'il fallait qu'en retour, il me remercie, il me récompense. Mais qu'il va me rappeler le lendemain. Le lendemain, à la même heure, DMG, mon téléphone sonne, la même voix. Et quand mon téléphone sonne, le même monsieur, avec la même voix, il me dit cette fois-ci, ok, maintenant que le contact est établi, on veut savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Dites-nous, peu importe ce que vous voulez, on est prêt à vous le donner. Donc je dis, mais en théorie, non, bon, je suis là, je suis bien, il n'y a pas de problème et tout. Et le monsieur me dit, mais est-ce qu'en ce moment, vous ne traversez pas des moments un peu difficiles? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'argent? Moi, je réponds, monsieur, mais que tout le monde a besoin d'argent. Il me dit, ok. Et donc, eux, ils sont prêts à me rendre riche. DMG. Il me dit, on va faire un test. Tu vois, vous voyez telle personne. Et les personnes qu'il a citées, ce sont des personnalités qui ont un nom. Ce sont des grandes familles dans mon pays que tout le monde connaît, comme des familles posées, des familles prospères, des familles riches. Il me dit, et vous voyez, un tel, c'est avec nous qu'il travaille, c'est nous qui lui avons permis d'avoir ceci. Vous voyez, telle famille, c'est avec nous qu'il travaille, ainsi de suite. Et vous, c'est parce que vous avez fait du bien à quelqu'un et que la personne a bien voulu vous introduire. Donc, on va faire un test pour vous montrer que nous ne plaisantons pas, on va faire un test. Donne-nous un chiffre et dans 3 jours, tu retrouves cet argent dans un endroit de ton choix. Je dis un chiffre. Il dit oui, donne-nous un chiffre. Tu veux combien là tout de suite? Donc, je suis un peu tremblante et puis je leur dis bon, alors, bon, on va dire quoi, 200 millions. Et puis le monsieur me rétorque toujours dans sa voix là, d'autres tombent. Mais vous plaisantez ou quoi? Vous voulez de l'argent ou vous ne voulez pas de l'argent? 200 millions, mais c'est rien du tout. Alors, ce qu'on va faire, on va vous donner le triple. On va vous donner 600 millions. Ce que vous allez faire, vous prenez un sac vide que vous achetez. Vous allez le garder dans un endroit, que ce soit dans votre maison ou quelque part, où personne ne peut le trouver. 3 jours après, vous allez récupérer le sac, vous allez retrouver les 600 millions à l'intérieur du sac. Je dis, waouh. Je dis, vous plaisantez? Il dit, on ne plaisante pas du tout.
Là, c'est juste un test pour vous montrer que nous ne sommes pas en train de plaisanter. À partir de ce moment, quand on fera le test et que vous serez convaincu, chaque 45 jours, vous allez avoir l'équivalent de 750 millions de francs CFA quelque part dans un endroit de votre choix. Vous allez récupérer cela. DMG, je pensais que c'était de la plaisanterie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je dis au monsieur, mais sous tout cet argent que vous voulez me donner, quelle est la contrepartie? Qu'est-ce que moi je devrais donner en échange? Le monsieur me dit, pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Là, nous sommes juste en train de faire un test pour vous dire que nous sommes crédibles. Pour l'instant, il ne s'agit que de ça. Après avoir fait ce test, en ce moment, nous allons maintenant parler des choses sérieuses. DMG, j'ai dit au monsieur, bon, je vais réfléchir, je vais revenir vers vous. Il me dit d'accord, qu'il m'attende. Donc, je raccroche le téléphone. Ça, c'était que le deuxième jour. DMG, je vais me coucher, je n'arrive pas à dormir. Je commence à prendre peur. Je commence à me rendre compte que c'est aussi facilement que les gens ont de l'argent. Mais en même temps, je suis convaincue qu'il y a toujours une contrepartie. Et que même ce qu'ils appellent test, je reste convaincue que si j'accepte, ça sera un pacte que j'aurai noué pour toute ma vie. Et donc, ce que je fais, le lendemain, j'appelle le monsieur, le jeune homme qui m'avait emmené au bord de la mer. Et je lui dis que je veux lui expliquer ce qui se passe. Il me dit que lui, il n'a pas le droit, il n'a plus le droit de parler de ça avec moi. Lui, il n'a été qu'un intermédiaire. À partir de l'instant où le contact a été noué entre moi et ces autres personnes-là, à partir de ce moment, lui, il n'a plus son mot à dire. Je lui dis, OK, moi, je voulais juste l'informer de ce que je ne suis pas intéressé. Il me dit que ça ne dépend plus de lui. Je lui dis, je ne suis pas intéressé du tout. Et donc, ce que je fais, DMG, je décide premièrement d'effacer le numéro de mon téléphone. D'abord, de bloquer le numéro. D'effacer le numéro. Moi-même, je décide de changer ma carte SIM, de prendre un nouveau numéro de téléphone que je ne communique pas du tout à ces personnes-là. Et puis, je décide de mettre un point final. Et donc, je me rends compte que je ne reçois plus d'appels puisque j'ai changé de numéro de téléphone parce que je ne voulais plus que ces personnes-là me contactent. Et c'est maintenant que le monsieur qui nous avait mis en contact commence à s'exciter. Il m'appelle, il n'arrive pas à m'avoir puisque j'ai changé de numéro. Il appelle mon frère avec qui j'étais quand j'étais allé le voir. Et il dit à mon frère qu'il faut que j'appelle urgemment parce que c'est grave et ceci, cela. Et mon frère lui dit que bon, je n'ai pas à les appeler. S'il y a une commission, qui lui laisse la commission, il lui dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que vraiment, il va falloir faire des sacrifices à partir du moment où elle ne veut plus rentrer dans ce deal-là. Il faut faire un sacrifice parce qu'elle aura dérangé les esprits pour rien et les esprits ne les dérangent pas comme ça. Une fois qu'ils s'engagent, ils ne font pas demi-tour et tout. Et mon frère qui dit, elle n'a rien demandé. C'est vous qui êtes venu lui proposer. Ce n'est pas elle qui allait vers vous. Donc, elle estime que ça ne l'intéresse plus, ça ne l'intéresse plus. Point barre. Mon frère lui demande également de ne plus jamais le rappeler. DMG, voilà comment l'histoire s'arrête. Mais pour vous dire, ce n'était pas de la plaisanterie. Ce n'était pas une arnaque. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, c'est moi-même qui me suis arrêté chez un vendeur de mon choix. C'est moi-même qui ai acheté la carte SIM, qui a acheté le téléphone. Le téléphone n'est pas passé entre d'autres mains. Et c'est moi-même qui l'ai lancé dans la mer. Même si quelqu'un allait le récupérer après. Un téléphone qu'on a lancé dans la mer, il prend l'eau. Et donc, il s'abîme. Donc, ça n'aurait pas pu être une arnaque. Je reste convaincu que ce n'était pas une arnaque. Mais c'était quelque chose de spirituel. C'était une connexion dans le monde spirituel. Heureusement que j'ai reculé. Heureusement que je ne suis pas allé jusqu'au bout.
j'ai décidé de refermer cette parenthèse-là. Alors, la morale de l'histoire, c'est que des fois, des gens vont venir vers vous. Mais en réalité, ce sont des gens qui vous ont ciblé. Parce que je me suis rendu compte plus tard que ce jeune homme-là, il m'avait appâté en se présentant à moi comme un nécessiteux. Mais en réalité, il avait posé son choix sur moi. Je ne peux pas vous dire quels critères ils avaient, mais il avait posé son choix sur moi. Il était question qu'il me recrute. C'est ce que j'ai compris par la suite. Mais malheureusement pour lui, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Donc dans la morale de l'histoire, comme je le disais tout à l'heure, faites vraiment attention aux gens qui viennent vers vous. Mais surtout, gardez-vous du gain facile. Parce que ce qu'on me proposait, ça avait l'air de quelque chose de tellement simple. Mais en même temps de tellement facile, je me suis dit que on ne gagne pas de l'argent aussi facilement, juste en claquant des doigts. Parce qu'en retour, il y a forcément une contrepartie. Merci encore, DMG. Waouh! En tout cas, ça, c'est intelligent. Mais écoutez encore le témoignage. Par une histoire que j'ai vécue quand j'étais encore plus petite. Et voilà, j'avais perdu ma mère qui était décédée. Et puis, mon frère et moi, on devait aller au funérail. Mais on n'a pas pu partir parce que c'était pendant la rentrée scolaire. Alors, pendant les vacances, on a attendu pendant les vacances pour y aller et puis faire les cérémonies, comme certains appellent des rituels, tout ça. Voilà. Et il s'est avéré qu'arrivé au village, il y a mon cousin maternel qui devait nous conduire chez la grand-mère, puisque nous, on n'a pas grandi avec la famille maternelle. Il fallait qu'on rencontre la famille maternelle, un peu tout, la grand-mère, le grand-père, mais qui était dans la même région, mais dans différents lieux. Différents villages, si vous voulez. Alors, c'est comme ça qu'arrivé au village, mon cousin maternel à qui, je vais appeler mon cousin comme Dada. Alors, mon cousin maternel à qui on a remis le transport pour mon frère et moi, pour qu'on parte jusqu'à chez la grand-mère, il a voulu briller l'argent, comme on dit, c'est-à-dire il a voulu garder l'argent sur lui. Il ne voulait pas il ne voulait pas payer le transport normal. Et nous, on était tout petits, on ne connaissait pas l'endroit. Et le cousin, il nous a fait marcher dans la grande forêt. Il y avait vraiment de la haute forêt. C'est-à-dire que quand tu marches là-dedans, tu ne vois que la forêt. C'est-à-dire qu'on était perdu dans la forêt carrément. Et à un moment donné, dans la forêt profonde, moi, je sens quelque chose qui m'a cogné le pied. Vous comprenez? Quelque chose qui m'a cogné le pied. Ce n'est pas comme si j'ai cogné en bois et tout ça. Donc moi, je dis à mon cousin, à mon grand frère, que non, j'ai senti quelque chose me cogner le pied. Et les gars me disent, oh, mais qu'est-ce qui t'a cogné le pied? Ici, là, qu'est-ce qui peut te cogner le pied? J'ai dit, oui, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui m'a cogné le pied. Donc il se retourne, il regarde, mais le pied n'a rien. Je ne suis pas blessée, j'ai aucune égratignure. Donc, ils me disent, ben, tu n'as pas mal. J'ai dit non, mais j'ai senti quelque chose cogner mon pied. Donc, on a encore marché des kilomètres à pied jusqu'à ce qu'on arrive au bout d'un village et qu'on emprunte et puis on rentre chez ma grand-mère maternelle que je n'avais jamais vue. Alors, la nuit, on a dormi paisiblement. Le lendemain matin, quand je me réveille, mon pied est enflé. Et enflé à un niveau là, je peux même pas vous dire. C'est-à-dire que c'est comme si le pied voulait se péter, quoi. C'était devenu gros et il y avait du pus à l'intérieur du pied. Donc, ils m'ont caché pour ne pas que mon grand frère me voie. Et ils ont commencé à me masser, mettre des trucs. La grand-mère avec son mari, ils ont pris plein de choses, de trucs. Ils ont commencé à masser le pied. Ils ont massé le pied. Mais au fur et à mesure, j'ai ressenti des douleurs. Et ils ne voulaient pas me dire pourquoi le pied qui a été cogné là, a été cogné par quoi. Ils n'ont pas voulu me dire. Jusqu'à ce qu'on me soigne pendant une semaine et puis le pied descend. Quand le pied descend, c'est là la grand-mère dit à mon frère et à moi que c'est un serpent qui passait en même temps que moi
Et le serpent m'a tété, il a tété mon pied, c'est-à-dire que il y a eu, quand j'ai dit quelque chose m'a cogné, c'est-à-dire que pendant que moi je passais, le serpent passait en même temps. Donc c'est comme s'il m'a tété le pied. Mais par contre, on dit que le serpent m'a mordu. Et que comme ces deux serpents, les serpents, on n'a pas vu les crocs. Donc c'est comme ça que le pied est devenu énorme comme ça. Et c'est comme ça qu'ils ont soigné. Mais ce qui est mystique dedans, c'est que déjà, on n'a pas vu le serpent. On ne sait pas s'il m'a donné son venin, comment j'ai fait pour survivre. Mais la grand-mère a pu me soigner. Elle dit qu'elle a aspiré le venin avec sa dent. Donc ben, c'est un peu mystérieux. C'est-à-dire que c'est quel genre de serpent qui me pique, mais qui me mord, je ne sais pas. Et puis, je n'arrive pas tout de suite à c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet automatique jusqu'à ce que je passe la nuit. Le venin ne me tue pas, mais le lendemain, mon pied est tellement enflé que c'est insupportable. Bref. Donc, dans le même village, c'est ce qui s'est passé. Les gens ont commencé à dire que j'étais une sorte de génie, bien d'esprit. Ils ont pensé ça, mais personne n'a jamais pu définir ce qui s'est exactement passé. Mais ils ont défini en eux là-bas que c'était un serpent. Ben, c'est un peu ça, c'est un peu mon histoire, monsieur. Alors, là. Wow, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.